Salut à tous les amis, c'est Akane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Intruder Hide and Seek. Désolé pour mon accent anglais des plus prometteurs. C'est un jeu de cache-cache, donc j'ai juste fait l'intro. C'était une petite cinématique où on apprenait un peu les touches. Et en gros, alors je sais pas trop ce que ça va raconter, mais on est dans une maison et je pense que des gens vont s'introduire dans la maison. C'est un jeu qui est jouable en VR, mais je n'ai pas de VR donc je vais jouer, on va dire classiquement, hein. Dans l'intro, alors on a notre papa qui est juste ici, qui a l'air de diriger un laboratoire et du coup il travaille sur quelque chose d'important, mais je ne sais pas quoi. Salut papounet. The fuse box is downstairs in the basement. J'incarne un enfant, hein. Ah ok, j'ai la carte de la maison, d'accord, ok, donc elle est sur, il y a le rez-de-chaussée et deux étages, ok. Ça fait plaisir. Oh putain la maison, et le mec, oh là là, comment tu te mets bien toi, putain! Le bâtard, waouh, attention, attention! Maintenant, joue à un jeu où tu t'es échappé de ton cachot, tu dois trouver la clé pour sortir du château, si je te trouve, t'as perdu. Je dois me cacher, d'accord, ok. D'accord, ok, c'est un gros, c'est un tuto quoi. Merde putain, elle vient vite, elle compte jusqu'à 10. Comment je me cache quelque part, putain? J'ai pas de cachette. Ah, j'ai trouvé la clé, putain. Lourd? Quoi? Je les entends, je vais trouver. Mais non, faut que je me casse. Que j'ai réussi. Ok, ma soeur n'arrive pas à dormir. Hein. Il pleut bien. Passe par la terrasse, tu me demandes de passer par la pluie. Oh. Ok. Elle est où? Putain, la chambre de ma putain de soeur là. Ah, par là peut-être. Ah oui. Salut meuf. Salut toi. Ok, elle veut que j'aille. En fait, les parents de la voiture nous ont dit qu'ils avaient fait un petit chantier dans la maison. Du coup, on va aller voir ce qui va. Où vas-tu comme ça, petit fourbe? Tu caches des choses? L'installation. Bah. Where did he go? Regarde ici, il y a une petite texture différente. Je pense qu'il est passé là-dedans. Quoi? Il y a un bruit. Vite dans le placard. J'étais sûr qu'il y avait une installation ici, les gars. Je vous l'avais dit. Il cache des choses, le papounet. Waouh, c'est lourd. Moi aussi, je veux ça. Une batcave dans ma maison. Ah, il y a un outil. Ça. Ah, putain. Ouais, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Wouah! Qu'est-ce que c'est? Oh! Il a une batcave! Putain, c'est stylé ça, moi aussi je veux ça chez moi. Qu'est-ce que tu touches? Ah, il y a des caméras! Stylé! On peut voir tout ce qu'il y a dans la baraque. Wouah! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est qui, quoi? Bah. Le bâtard! Ok, qu'est-ce qu'on fait du coup, ma petite? Toi, tu vas rester là tout le temps en fait, c'est ça? Ah, maman, va falloir aller chercher, c'est caché! Oh, c'est ouvert! Moi, je peux ouvrir si je joue ou pas? Came from the garage.
Quoi? Je me cache, ils vont dans le garage parce que le courant était coupé. Je gère. Quelqu'un. Attends, t'as cette voix. Come on, I have a little surprise for you. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il veut lui? Oh là là là, il arrive, c'est qui ça? Oh, putain, mais il a un masque chelou. Faut que je retrouve mes parents, c'est ça peut-être? Non, c'est pas un monstre, c'est juste un homme, ma petite. T'inquiète pas, je vais le niquer. Le téléphone ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah, faut que je vais chercher le portable de papa. Dans la cuisine, putain! Faut que j'aille le chercher, c'est ça? Ok, il y a des lampes. Enfin, il y a des lampes, c'est les ennemis, quoi. J'arrive dans la cuisine. Il est là! Quoi? Une cachette? Mais il y en a pas. Où ça? Non! Non! Oh putain, elle m'a frappé la conne! Wow! Putain, j'ai sprinté, fallait pas sprinter de suite. Putain, il a une voix ce con! Ok, faut que je me cache quelque part. Ok, j'ai trouvé où me cacher, c'est bon. Ouh! Putain, elle a pris le téléphone, la salope. Oh bah, il y a lui là. What are you going to do? Ah là là, elles sont cheloues, hein. Papa, maman, sûrement un plan. Les cacher. Ok, la cave, je vois, est-ce qu'elle est de l'autre côté de la baraque? Comment je peux faire? Parce que faut pas que je me fasse repérer, du coup, moi. Oh, oh, il y a le gros là-bas. Vas-y, je vais passer par là, je vais traverser la salle ici. Putain, allez. Qu'on se tenterait pas un petit sprint. Oh, il y a du sang là. Ah non, il y a du sang. Putain, j'espère qu'ils ont pas tué papa et maman. Oh. Par ici là. J'arrive. Oh non. Come here, kid. Je me suis fait baiser. Tu mourras pas, bâtard. Tu ne mourras pas, bâtard. Putain de merde, elle est où la cave? Je suis perdu. Pas par là, je me suis trompé d'endroit. Putain, il m'a chopé. Et si je ne m'abuse, c'est par ici. Vas-y, rentre par là. C'est bon. Je peux taper mon plus gros sprint. La cave, elle est par là-bas. J'ai réussi à y aller. C'est ça? Ici, il y a un accès ou pas? Oh, oui, là-bas peut-être, non? Là? Ah! J'ai trouvé l'accès, les gars! Vous inquiétez pas, j'ai trouvé l'accès! Et oui! Papa, maman, où êtes-vous? Je viens vous. Oh putain, le rat! Oh, il m'a fait un petit peu stressé! Regardez, quelqu'un! Je suis là! Are you okay? Where is your sister? Don't worry, Irene is safe. She's in the panic room. Ben, you have to go get help. I can't. There's no way. These people have cut off the telephone lines. And all the doors are locked too. I don't know what to do. Computer. Study. Ordinateur bureau. Of course, your laptop. Your dad's computer is in the study. Ok, faut que j'aille contacter la police à l'ordinateur de Papounet. Ok, bon. En fait, les méchants ils veulent le code secret du labo. Et vous inquiétez pas, les amis, je vais gérer la situation comme il se doit. Faut que j'arrive à aller au bureau.
Le bureau, je pense qu'il est à... Il y a moyen qu'il soit à l'étage. Ça par hasard. Oh, oh merde! Non, il va me buter le bâtard. Il va me buter! Mais il mourra pas. Je vais me cacher à temps, vous inquiétez pas les copains. Voilà. Let's see if you're good at screaming. Je sais pas où il est le bureau, je pense qu'il est à l'étage, mais je suis pas sûr. Ah mais je suis con! J'ai une carte! Le bureau. Alors, dernier étage, t'as un labo, c'est ça? Est-ce que le labo... Non, le labo, c'est ce qu'ils veulent. C'est le mot de passe, d'accord, ok. Oh merde. Il y a le gros baraque. Quoi? Non, tu m'as pas vu? Ah si, il m'a vu. Vite, je sais que dans leur salle de bain, il y avait un truc où je pourrais me cacher. Il est où? Je l'ai perdu. Je me suis caché. Putain, il m'a vu. Oh là 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 là. Ah non, je suis con, putain, mais il y a un marqueur pour dire là où c'est. Oh là 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 là, le fils de chien que je suis. Oh non, je suis con, putain. Non, putain, mais je me fais gauler à chaque fois, putain de merde. Je sais même pas où aller. Je crois que j'ai réussi à m'enfuir. Première fois que je réalise, c'est là. Et il est là-bas. C'est le gros. Allez, casse-toi. Fais demi-tour. Dégage. Je vais te niquer, frère. Putain, casse-toi, j'ai dit. Le bureau ou pas? Ok, là, t'as plusieurs portes. Il y en a un, ça doit être le bureau. Ok. Ok, d'accord. La porte de gauche, c'est le bureau. Celle-là. Il est marqué bureau. Vas-y. Boum. L'ordinateur, il est là. Vas-y. Je connais pas le mot de passe. Je me console de signer ma descente. Il y a un mot de passe. There's some kind of riddle, but I don't get it. It says something about comfort and a seed to heal the damage. It looks like it's from some author named Milton. Dad was reading a poetry book in the library. It looked very old. Putain, faut que j'aille dans la bibliothèque maintenant, de l'autre côté. Ferme la porte. Je me... Non. Vas-y. Non, elle a ouvert la porte, elle pouvait, putain. Allez, le bouquin il est là, c'est bon. Alors. There's a note here in Dad's handwriting. Redemption. This must be the password for the computer. Ok, j'ai le mot de passe du PC computer. Maintenant faut que j'aille. Quoi, t'entends quelqu'un dans le coin? Est-ce qu'il monte ou pas? Non, il monte pas. Ouh. Oh là là. La pression. Oh, quelqu'un d'autre là. Oh merde. Est-ce que tu dégages ou pas? Quoi? Elle m'a vu. Non, tiens. Putain. Allez. C'est par ici. Hop. Le PC il est là. Mets le mot de passe. Allez, vas-y. Et c'est ça. Ok. C'est quoi ça? Okay, c'est une petite photo de mes couilles. Enfin, c'est pas une photo de mes couilles, mais t'as compris. Qu'est-ce que je dois faire avec ça, putain? Ah, ça y est. Ah, d'accord. My name is Ben Richter. Ok, d'accord. Je m'appelle Ben Richter et trois personnes sont intrusées. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Naughty boy? Ah! C'est qu'il y a une hackeuse. Oh merde! Putain, vite, on va se cacher là. Je suis caché dans la boîte. Hein. Il va me voir ou pas? Non, ça va. D'accord, ok. Donc on peut pas communiquer avec le monde extérieur, quoi.
Bon les amis, on va s'arrêter là. Peut-être que je continuerai dans une autre vidéo si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on voit la suite. Je trouve que c'est un jeu qui est assez sympathique. Bah en fait, en vert, ça doit être vraiment cool parce que genre, c'est vraiment un cache-cache. Après, je trouve que c'est pas ce qui fait le plus peur. C'est vraiment beaucoup d'infiltration. Ça reste sympathique. Je suis assez curieux d'en savoir plus sur l'histoire. Les graphismes sont vraiment super beaux. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut !